suis ravie de vous retrouver dans le cadre de mon partenariat pour ce mois d'avril avec Key Scrap et sa box. Nous allons réaliser ensemble donc une page de scrap au format 30x30. Je vais juste vous préciser que la page blanche ne fait pas partie de la box, donc il faudrait soit que vous changiez le fond de page, soit que vous preniez une page chez vous que vous avez. Souvent c'est du basique, donc tout le monde a une petite page 30x30 chez soi. Je vous laisse avec la vidéo, je ne vais pas trop parler, c'est en complément d'un tuto PDF que vous pouvez retrouver sur le site de Key Scrap, son blog. J'espère que cette page vous plaira. En tout cas, moi je suis ravie de poursuivre ce mois d'avril avec vous. Il nous restera encore un petit tuto à faire d'ici quelques jours. Je vous laisse donc regarder la vidéo. On se retrouve à la fin pour se dire au revoir. À tout à l'heure, bye bye. Thank you.
Voilà, on arrive donc sur la fin de notre page. Comme vous avez pu le voir, c'est une page plutôt rapide et simple à faire. Rapide dans le sens où on utilise des chutes de notre album. Si vous avez suivi le petit album juste avant, ce sont des chutes de papier que j'ai récupérées, des chutes d'étiquettes. Voilà, j'ai essayé de ne rien jeter. C'est pour ça qu'elle est assez épurée, mais qu'il y a quand même un petit peu de décoration. Je vous laisse donc là pour ce deuxième tuto. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, scrapez bien. À bientôt. Bye bye.